Good morning, Alida. Une étude sur aujourd'hui le Nishmat Avraham Chaim Norbert Ben Fortuna Mazal Rachamim Ben Rosa Yelida Bet Esther Eliyahu Ben Ishi. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Yachin, Perek Vav, Mishnah Hey. Echad Amagdish Et Nechasav Ve Echad Amarich Et Atzmo En Lo Lo Biksut Ishto Ve Lo Biksut Banav Ve Lo Betzeva Shetzva'an Nishman Ve Lo Besandalim Chadashim Shelekachan Nishman Af Al Pi Shamru Avadim Nimkarim Biksutan La Shevach. Deux sujets dans notre Mishnah. On continue d'abord depuis la Mishnah Dalet Hei, Gimel Dalet Hei. On parle de la manière dont on va évaluer les biens de celui qui a fait un don au Beit HaMikdash. Pour savoir est-ce qu'il a les moyens de le payer, combien est-ce qu'on va lui prendre, combien on va saisir de ses biens. C'est le sujet qu'on traite dans ces trois Mishnayot. Et je précise, il y a deux sujets distincts. Je ne sais pas si vous avez, j'ai peut-être pas assez insisté sur l'histoire. Il y a par rapport au Erchin, il y a le fait que la Torah a donné la possibilité de donner l'estimation. C'est-à-dire la Torah a fixé un barème fixe selon homme, femme, selon l'âge. Et lorsqu'on n'a pas les moyens de payer, la Torah l'a fixé aussi, elle a dit que le Kohen, il pourra estimer, calculer combien est-ce qu'on est capable de payer. Donc ça, premier sujet, tout d'abord, on va calculer combien de biens disponibles, liquides, qu'on peut donc saisir. C'est une première manière de première chose à calculer. Et il y a par ça un deuxième sujet, c'est celui qui est Makdish. On a commencé à en parler dans la fin de la Mishnah précédente, en fait. Celui qui fait le vœu de donner tous ses biens au Beit HaMikdash. Et là, de nouveau, alors justement, la Mishnah vient parler des deux cas. Echad amagdish et nechasav, que ce soit celui qui va donner tous ses biens. Ou encore, echad amarich et atzmo, encore celui qui va faire le vœu de donner la valeur, sa valeur personnelle, ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Dans tous ces cas de figure, enlo, lo biksu tishto, il n'aura de droit, donc en fait il ne sera pas parvenu à sanctifier ces choses-là qui sont ksu tishto, les vêtements de sa femme. Velo biksud banav et les vêtements de ses enfants. Velo betseva shetzva'an nishman et pas non plus pour les teintures qu'il a teint en leur nom, c'est-à-dire pour les habits qu'il a donné à teindre chez teinturier. Pour eux. Velo basandalim chadashim shelekachan nishman et ni même pour les chaussures toutes neuves qu'il a achetées en leur nom. C'est-à-dire, je précise un petit peu mieux, le principe il est très simple. On se retrouve dans des situations où finalement, parce que j'ai eu un élan de vouloir faire un vœu au Beit HaMikdash, de donner tous mes biens au Beit HaMikdash, on va se retrouver apparemment à prendre les vêtements et tout ce qui appartient à sa femme et à ses enfants. Alors la Mishnah vient me dire, non, c'est pas comme ça. Les choses qui lui appartiennent déjà à elle, que je lui ai déjà achetées, depuis le moment où je les ai achetées, ça lui appartient. Et idem pour les enfants. Mais la Mishnah, elle va même plus loin en me disant, tu sais, c'est même pas la peine. On ne parle pas que des choses que tu as achetées, que tu lui as déjà données, mais même les choses que tu as simplement commandées en son nom, que tu as déjà payées, mais que concrètement tu les as jamais reçues dans la main pour aller lui apporter, comme c'est le cas des sandalim chadashim chez les kachan lishman, les nouvelles sandales nouvelles qu'il a uniquement achetées en leur nom, c'est-à-dire que pendant il a payé le vendeur, peut-être qu'il les a prises, je ne sais pas, mais en tout cas il ne les a jamais données à sa femme ou à ses enfants pour qu'ils commencent à les porter. Malgré tout, toutes ces choses-là, elles appartiennent, elles deviennent déjà la propriété de la femme et des enfants, et de ce fait, on ne va plus maintenant les saisir par ma faute, par mon don que j'ai voulu faire, parce que c'est plus les miens. Ça, c'est la fin du premier sujet de la Mishnah. Et deuxième sujet maintenant, c'est, je vais rentrer dans le bain très rapidement, comme ça qu'on va dire, ça ira plus vite, à savoir, il y a toutes sortes de choses que, selon l'endroit et la manière dont on va les vendre, alors ils prendront plus ou moins de valeur. Premier exemple qu'on va voir, justement, ça va être le cas avec un esclave. Un esclave, si vous le présentez comme un beau gosse, bien habillé, avec des habits propres, qui diffuse une bonne odeur, qui est bien coiffé, alors dans ce cas-là, vous allez, pour un investissement de 30 sous, vous allez récupérer 100 sous. Par exemple, ça va être le cas, pour 30 dinars, vous allez récupérer un manet qui sont 100 dinars. Parce que vous l'avez mis un peu plus en valeur, c'est comme une voiture. Vous allez vendre une voiture qui est toute moche, qui est toute sale, alors qu'elle est potentiellement bien. On n'est pas en train de parler de tromper l'acheteur, comme le titre d'Israël le précise, entre parenthèses.
il y a, on ne va pas tromper l'acheteur, il y a, concrètement, j'ai une très bonne voiture à vendre. Le problème, c'est que la voiture, elle est toute sale. Elle est, donc elle est, elle paye pas de mine, elle est pas attirante. Donc de ce fait, on va la baisser totalement. On va se laisser impressionner par une voiture qui est beaucoup plus propre et scintillante, alors que concrètement, son moteur, il est beaucoup plus mauvais par rapport à moi qui entretiens bien ma voiture, par exemple. Eh bien, même principe. En investissement, on se retrouve dans des situations, dans toutes sortes de situations, en fait, où avec un petit investissement, eh bien, tu récupères beaucoup plus. D'où la question. Dans tous ces cas de figure où tu as fait un vœu de donner et tout ça, est-ce que le Hikdesh, quand le trésorier, tu as fait un vœu de donner 500, de donner 3000 shekels, de donner, on va prendre un cas avec la voiture, tu as fait un vœu de donner 20 000 shekels avec la voiture. Je viens, ta voiture en l'état, sale, elle coûte 15 000. Elle n'est pas attirante, on a peur, on va savoir pourquoi. Alors que si jamais on investissait 500 shekels, par exemple, tu pourrais la vendre à 20 000. Je ne sais pas si c'est tellement, mais en tout cas, peut-être. Prenons le cas que ça peut vous faire. Alors, on va, d'accord, avec un 500 shekels d'investissement, tu vas pouvoir ajouter dessus la montée jusqu'à 20 000. Viens le Gizbar maintenant, il trouve cette voiture. Bon, il va l'estimer, alors qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle est en guise de 15 000 ou en guise de 20 000? La Mishnah enseigne, eh bien, elle va en guise de 15 000. Parce que Enecha, c'est la règle qui va y avoir à la fin, En l'Hekdesh à la Mekomo et Shato. Le Hekdesh, lui, il ne calcule pas selon ce qu'on peut tirer des choses, mais selon ce que les choses elles valent en l'état, à cet endroit et à cette heure-ci. Et on fait tous les cas dans la Mishnah, regardez. Afalpi Shamon, bien qu'ils ont dit, Chachamim, de manière générale, dans certaines situations, que Avadim Nimkarim Biksutan Lishmar, que les esclaves, il faut les vendre avec des beaux habits pour qu'on leur augmente les prix. On parle de quoi? Entre parenthèses, c'est dit dans le Barthénora, on parle qu'il y avait des orphelins qui ont reçu des biens de ses parents, de leurs parents, et que pour X ou Y raison, il y a besoin de leur prendre leurs biens, de les vendre pour qu'on puisse fermer certaines dettes qui sont en train de s'accroître et de faire des graves problèmes. Et parmi ce que le père a, les a fait hériter, il y a des esclaves qui sont habillés de manière pas attirante. Si toutefois on investissait un peu d'argent pour eux, eh bien on pourrait leur faire augmenter le prix et comme ça rapporter plus d'argent pour les Tomim. Et Rami m'ont dit, tu le feras. Pour les Tomim, on le fait. Et alors, c'est ce que la Mishnah, en fait, elle vient, elle me dit, bien que là-bas, je t'ai dit de le faire, ici, je te dis de ne pas le faire. Aval Bishamon, bien qu'ils ont dit, de manière générale, donc dans l'histoire des Tomim, Avadim Nimkarim Biksutan Leshvar, que les esclaves sont vendus avec des habits qui les mettent en valeur. Shim Tilakar Lopsut Bishloshim Dinar, car si tu lui prenais un vêtement qui lui coûterait 30 dinars, Mashbiya Khumane, il prendrait en côte un mané qui sont 100 dinars, ou encore même, Veren Para, idem encore pour une vache, Imam Tinim Ota la Itlis, Meshabachat Hi. Si toutefois tu patientais jusqu'au jour du marché où on va vendre les vaches, eh bien Meshabachat Hi, elle serait considérée comme une bonne vache, elle serait bien achetée à plein pot. Tandis que maintenant, pour le moment, il y a juste. C'est uniquement les grands intéressés qui vont aller acheter une vache, donc le prix il y a moins de demandes, donc le prix va baisser. Ou encore, Vechen Marigalit, idem encore pour encore une pierre précieuse. Imale Nota l'écrar si elle a fait rentrer dans une ville fortifiée, c'est-à-dire là-bas où vivent les bourgeois, les riches, eh bien, si tu les as apportées là-bas pour la vendre, la belle pierre précieuse, tu la vendrais beaucoup, beaucoup plus cher que ce que tu vas la vendre dans un quartier de pauvres, où finalement le pauvre il va acheter. Pour pouvoir acheter une pierre précieuse, il va pas dépenser une somme astronomique, même si elle est merveilleuse en soi-même. Et bien malgré tout, et donc il m'a allé noter les krach ma'ashabachati. Si la pierre précieuse il l'a portée à la ville, alors elle coûterait beaucoup plus. Malgré tout, en la hekdesh elle a mekomo veshato. Le hekdesh ne considère n'évalue les prix que selon mekomo veshato, son endroit et son heure. C'est-à-dire, on va revenir sur le cas de l'esclave, par exemple, lorsque l'esclave va vouloir faire une saisie de. Lorsque le Gizbar va vouloir faire une saisie de l'esclave, ouais, eh bien, on ne va pas le calculer selon. Si tu dépensais 30, il prendrait 100, donc ça lui fait une plus-value de 70. Non, on va selon ce qu'il est concrètement. Pour quelle raison? Le Rambam précise, tout d'abord, c'est déduit d'un pasouk. Le Barthénora rapporte Venatan, Terkecha, Bayom, Haou. Tu vas selon ce jour-là, ce que ça coûte aujourd'hui, tu ne commences pas à estimer autrement que ce que tu as concrètement devant toi. Il y a le Rambam qui explique une raison un petit peu plus rationnelle en fait à ça, c'est que, vous savez comment ça se passe, tu dis que tu vas investir 30, après tu vas récupérer 100,
va savoir si tu investis les 30, si tu as trouvé facilement, finalement si tu ne vas pas te mettre à investir, mais il y aura pour X ou Y raison que ça va trop traîner, plus personne ne va vouloir l'acheter. Alors laisse tomber. On va, la Torah, c'est comme ça que la Warman explique. La Torah l'a dit, tu calcules selon ce que ça coûte. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a rien de plus. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tzlafa Kol Tov, ça va.